Salut à tous, Eric Le Gaulle, Galago Music. Bien pour vous aujourd'hui, la version de guitare du morceau Tetris, oui, tiré du jeu vidéo. Sachant que ce morceau est issu du folklore russe qui s'appelle Korobeiniki. Voilà, c'est juste pour la petite touche polyglotte. Donc je vais vous expliquer le thème et également l'accompagnement en mode manouche. C'est pour ça que j'ai ressorti ma guitare manouche, que ça faisait des lustres qu'elle n'avait pas vu le jour. Donc pour ceux que ça intéresserait, c'est une Aria modèle MM20. Voilà. Allez, je me rapproche et je vous montre déjà comment on arrive à choper cette pompe manouche sur un tempo très vif. Au niveau des accords, nous en aurons 4, ça c'est cool. Le premier étant un mi septième, qu'on pourrait faire de cette façon. Voilà, comme sur le petit schéma. Et pour le jouer un petit peu la Django et pour éviter les petites notes aiguës comme ça qui m'agacent un petit peu dans l'accompagnement, je préfère le faire de cette façon, 7, 6, 7 des cordes de La, Ré, Sol. Vous vous débrouillez avec le majeur pour bloquer le gros mi et bloquer la corde de si et la corde de mi, de manière à avoir un accord qui va sonner comme ça. Le deuxième accord, ce sera un La mineur. Alors pareil, on pourrait le faire de cette façon, mais là, ce qui m'embête, pareil, c'est qu'il y a des cordes aiguës, et ça m'agace dans l'oreille quand dans l'accompagnement, j'entends trop de notes qui piquent, comme ça. Du coup, je vais utiliser le doigté manouche qui va donner ceci. Vous conservez ces deux doigts-là en 7 et 7 des cordes de La et Ré. Vous allez placer le pouce à la cinquième case du gros mi pour avoir la fondamentale. La, mi, la. Et vous allez placer l'index en cinquième case de la corde de sol, de manière à avoir ces quatre sons là. Et pareil, le si, le petit si et le mi sont bloqués. D'accord. Alors, il n'est pas forcément facile à choper du premier coup, mais je suis sûr qu'avec un petit peu de travail, vous allez y arriver. Le troisième accord, il va avoir un petit son aigu, mais là, c'est difficile de faire autrement. On va le faire comme ça, donc barré en cinquième case. Enfin, vous connaissez le schéma, vous suivez de toute façon ce qui est indiqué à l'écran. Et le quatrième et dernier accord, ce sera un do majeur joué de cette façon, donc pas de petit mi sur cet accord. Et puis voilà. Donc on aura deux parties dans ce morceau, hein, partie A et partie B, sur lesquelles vont se répartir tous les accords que je viens de vous montrer. Et dans cette partie A, nous aurons 16 mesures. Voici donc les deux premières mesures. Vous allez voir, on va faire une alternance de basse, puisqu'on n'a pas de contrebassiste avec nous. Et ça va donner quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai pris mon accord de mi septième qui avait cette forme-là. Et je vais alterner les basses, c'est-à-dire je vais faire mon premier temps corde de La, je vais gratter mon accord et je le pique. 1, 2, le troisième temps, je bouge mon majeur et je vais chercher la carte en dessous, la note Si, et je regratte l'accord. Donc la basse n'est pas piquée, mais l'accord oui. Donc Mi, pique, Si, pique, Mi, pique, Si, pique. Et ça, c'est la méthode pour faire une pompe manouche quand on est à un tempo un petit peu élevé. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà. Plutôt sympa, non? Donc avant d'essayer de le faire rapidement, vous le faites bien lentement parce qu'il faut juste bien viser les basses, hein. Faut bien avoir cette alternance-là. Voilà. Donc on aura deux mesures de semi-sept, 1, sur le deuxième accord, le La mineur, on va alterner les basses de la même façon. Donc là, on est déjà placé, on n'aura pas besoin de bouger les doigts pour faire l'alternance de basses, puisqu'on va prendre la fondamentale ici, vous grattez l'accord, vous piquez, et après vous allez chercher la quinte au-dessus, la note Mi, et vous regrattez l'accord. La, Mi, La, Mi, voilà. Les quatre mesures d'affilée. Mi, Si, Mi, Si, La. Après, vous referiez deux mesures de mi-septième pour la quatrième et cinquième mesure. La sixième mesure, vous refaites une mesure complète de La mineur. 1, 2, 3, 4. Et là, il va y avoir une petite montée de basse qu'on va faire de cette façon. Donc deux fois le pouce, puisqu'il est déjà en place. Et après, Si à la septième case et Do à la huitième case. Donc soit vous utilisez le doigté majeur annulaire, soit annulaire petit doigt, si ça peut vous arranger. Donc je vous refais la septième et huitième mesure. 1, 2, 3, 4. Je vous refais les 8 premières mesures et j'enchaîne. 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va vers un Ré mineur. Deux mesures d'affilée. Donc là, pour mon alternance de basse, je fais sortir la cinquième case de la corde de La. La note Ré, qui est la note fondamentale sur cet accord. Je gratte l'accord.
Et après, je vais chercher hop, une carte en dessous en allongeant un peu l'index. D'ailleurs, vous l'allongez dès le début, de manière à faire entendre la note La. Donc Ré, La, Ré, La. Ensuite, on se dirige vers l'accord de Do majeur de cette façon. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez allonger l'index parce qu'on va alterner l'accord de La et l'accord de Mi. On fait entendre la note Do et la note Sol. Do, Sol, Do, Sol. Ah. Donc les mesures de 9 à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après ça, vous revenez vers un mi-sept. Pour deux mesures. Et après, une mesure complète de la mineure. 1, 2, 3, 4 et stop. Là-dessus, je fais un break sur la toute dernière mesure de la partie A. Si vous voulez colorer cet accord de break, vous pouvez le remplacer, si vous le souhaitez, par un accord de La mineur 6 qui est très sympathique et pas difficile à faire. Cinquième case du gros Mi, vous bloquez la corde de La avec l'intérieur du doigt. Quatrième case de la corde de Ré et cinquième case de la corde de Sol. Les deux petites cordes aiguës sont bloquées également. Ce qui fait que ça donnerait 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on attaquerait soit la partie A à nouveau, soit on se dirige vers la partie B. Toute la démo de la partie A. 3, 4. 3, 4. Cinquième mesure. La mineure, la montée de basse. Do, Ré. Le Do. Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La partie B est plus courte et plus facile puisqu'on va uniquement alterner le Mi 7 avec le La mineur. Et ça va se faire dans cet ordre-là, deux mesures de La mineur. Donc on finissait sur un La mineur ou La mineur 6, et on recommence à taper un La mineur juste derrière. Donc deux mesures de La mineur, 1, 2, 3, 4, deux mesures de Mi 7, deux mesures de La mineur, et oui, une mesure complète de Mi 7 et le break, 3, 4, break, 2, 3, 4. Vous referiez toute cette partie-là exactement de la même façon, et vous avez toute la partie B. Donc partie B en entier, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Stop. 1, 2, 3. Et break. Alors partie A et partie B au tempo, ça donnerait ça. 1, 2, 3, 4. Ah bah oui, on est à 150 à la noire. La montée de basse. Break et... Break, deuxième partie du B. Et voilà, et vous reprendriez partie A. Vous recommencerez à taper votre Mi 7. Vous me bossez tout ça lentement, hein. Il faut absolument qu'on entende proprement la basse qui dure, l'accord qui est piqué, et la basse d'après, qui soit la bonne, hein, de préférence. Alors ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là j'ai pas mis de petites fioritures, hein, de petits mordants ou quoi que ce soit. C'est vraiment les notes de la mélodie. Alors j'ai commencé par un petit slide que je trouvais rigolo, de faire 1, 2, 3, 4. Vous arrivez en 13e case de la corde de Sol. Donc là je suis parti de n'importe quelle case d'ailleurs. Ce qui compte c'est de bien arriver à cet endroit-là, peu importe d'où vous démarrez dans les cases à gauche. 1, 2, 3, 4. 1. Le vrai premier temps commence ici, 12e case de la corde de Petit Mi. 1, 2, 3, 4. 1. J'ai fait comment ? Je suis passé sur la corde de Si et j'ai fait 12, 13, 15, 13, 12, 14. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ensuite, je rejoue cette note-là et je fais donc 14, 13, 12 sur la corde de Sol, Si, Mi. Je dessine un petit accord comme ça de La mineur. Ensuite, je vais aller à la 15e case de la corde de Si pour faire 15, 13, 12, 15, 13, 12, 12, 13, 15.
Timmy, 13 du Si, et 14-14 deux fois de la corde de Sol. Quand vous êtes ici, normalement l'accompagnement doit commencer à faire sa montée de basse. Donc là, vous êtes à la moitié de la partie A. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, on attaque la septième mesure qui commence sur le deuxième temps. 3, 4, 1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé mon attaque en 15e case de la corde de Si. 15, après 13 du petit Mi. Oh là là, 17 de la corde de petit Mi également. Si vous n'avez pas de pan coupé, je crois que c'est mort pour vous, désolé. Alors, 15, 13, 17. Après, 15, 13, 12. Ensuite, donc là j'ai refait 13 de la corde de Si, puis remis là-haut, et pour terminer, 15, 13, 12, 12, 13, 15, et on termine par 12 du petit Mi, 13 de la corde de Si, 14 deux fois de la corde de Sol, et on a bouclé la fin de la partie A. Toute la partie A, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, c'était la montée de basse. Voilà, je suis sûr qu'à l'oreille, de toute façon, vous allez réussir à retrouver la mélodie. Voilà. La partie B, je vous ai fait un truc en double note qui va donner ceci. J'ai bien aimé. Donc pour démarrer, je me place en 10 de la corde de Ré et 9 de la corde de Sol avec annulaire et majeur. Et je tape ces deux cordes-là. D'accord ? Après, je vais déplacer mon annulaire en 7e case de la corde de Ré, toujours. Et je rajoute l'index en 5e case pour avoir un écart de 2 cases. Et vous grattez les deux cordes, bien entendu. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous décalez ça 2 cases à droite. D'accord ? Après, vous décalez ça 3 cases à gauche. Et après, vous reviendrez une case à droite. Je refais. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà, c'est pas très compliqué. Il faut juste bien repérer où est-ce que vous devez vous placer. Ensuite, il y a un doigt qui va changer de corde. L'annulaire reste à sa place et le majeur viendra chercher la 7e case, sa copine juste à côté, sur la corde de La. Et vous tapez ces deux cordes-là. Donc deux temps là-dessus, et après, l'annulaire disparaît au profit de l'index en 6e case de la corde de Ré. Et on termine la phrase par, et on termine par 7 et 9, de cette façon. Alors, je vous réenchaîne le truc. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, c'est là que ça se passe. 2, 2, 3, 4. Et là, vous savez faire 80% de la partie B, puisqu'après, on va recommencer la même chose une deuxième fois. Donc, la deuxième partie donnera ça. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et attention, à la fin, je vous ai concocté un petit truc comme ça. Donc là, on va conserver l'idée des doubles cordes, mais on va grimper, en fait, sur la corde La mineur, comme ça, comme si on était là-dessus. Je vais choper la corde de Ré, la 7e case. Et je vais faire entendre la 5e case de la corde de Sol. D'accord ? Après, je vais faire entendre à la main droite la corde de Sol et la corde de Si. 5e case, 5e case. Et ensuite, 5-5 des cordes de Si et Mi. Ce qui va donner... Je ne sais pas, il faudra le taper deux fois de suite. Et je termine par un petit accord diminué comme ça, qui rappe très très bien avec le Mi qui est en dessous. La deuxième guitare, donc un petit triangle. 4, 3, 4. Yeah ! Toute la partie B démo. 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deuxième fois.
bossez bien ce thème et cette pompe manouche parce que vous pourrez la replacer après dans plein d'autres morceaux. Et si vous avez un copain pianiste, et ben il pourra le jouer en même temps que vous parce que j'ai fait un tuto là-dessus également. C'est pour ça que j'en ai un petit peu ras la ficelle hein, de la mélodie de Tetris. Et si vous voulez voir ce que ça donne d'avance, vous pourrez aller écouter le cover que j'avais fait. Il y avait un piano, mais c'était pas la guitare manouche, mais c'est pas grave, il y avait quand même la pompe, donc elle est bien quoi. Bah écoutez, j'espère que vous laisserez un petit pouce bleu, peut-être un petit abonnement, peut-être que vous laisserez un commentaire. Enfin, quoi qu'il arrive, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. J'ai pris beaucoup de plaisir déjà à rejouer sur cette guitare, et puis à vous expliquer des thèmes comme ça avec un accompagnement en accord. Je trouve ça génial, puisque si vous êtes deux, vous pouvez vraiment vous faire plaisir et pas jouer forcément la même chose. Voilà. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, et puis je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain tuto. À très bientôt. Ciao.